Bienvenue à la Fabrique en territoire proposée par l'Espace Famille des PEP 87, donc de l'association de la Haute-Vienne. Donc je suis Céline Brousseau, je suis la directrice du pôle petite enfance de l'association, pôle petite enfance qui a la gestion de 6 structures d'accueil du jeune enfant, 5 multi-accueils et une micro-crèche, et donc d'un service de soutien à la parentalité depuis peu de temps, puisque on a repris ce service qui était préalablement géré par la Caisse d'allocation familiale à partir de janvier 2020. Cet espace est un lieu dédié aux familles et à l'accompagnement des parents tout au long de leur vie de parents. Lorsqu'une famille passe la porte de l'espace famille, plusieurs propositions sont possibles. Il y a d'abord la maison de la petite enfance. C'est un lieu d'accueil enfants-parents créé en 1988 sur les valeurs des maisons vertes de Françoise Dolto. La maison de la petite enfance est ouverte 5 demi-journées par semaine et accueille les futurs parents et les enfants dès la naissance jusqu'à la fin de la première année d'école maternelle accompagnée d'un adulte. À l'espace famille, il y a également une ressource documentaire, donc des ouvrages autour de la parentalité qui sont disponibles en prêt pour les parents qui se posent des questions de parents et qui peuvent trouver des réponses dans ces ouvrages. Il y a aussi des ouvrages jeunesse, donc plutôt disponibles pour passer un temps par enfant avant ou après un atelier, et une mallette à raconter disponible au prêt qui propose d'autres supports que les albums pour se raconter des histoires, comme des tapis de compte, des boîtes à histoires ou des camis shibai. Ensuite, il y a à l'espace famille des ateliers parents-enfants et des ateliers parents. Tous les ateliers sont animés par des intervenants extérieurs qui sont garants d'une posture neutre, bienveillante et à l'écoute des familles. Pour faciliter la participation des familles, nous travaillons à l'espace famille sur 2 axes prioritaires, l'écoute active et la création d'un espace contenant. L'écoute active, mais qu'on peut aussi qualifier d'attentive et bienveillante, nous permet de prendre en compte le ressenti des parents, qu'il soit exprimé ou ressenti par l'équipe. Tout ceci va nous permettre de réajuster la programmation, que ce soit pour l'année d'après ou l'année en cours, en fonction des thématiques, des tranches d'âge, du format ou encore de l'évolution de propositions. La création d'un espace contenant passe forcément par un travail autour de l'aménagement de l'espace afin de créer un lieu familier dans lequel les familles se sentent bien. Pour nous, c'est une mission accomplie. Il y a quelques années, un groupe de parents, après un atelier, nous avait dit qu'ils avaient rebaptisé la salle des canapés en salle cocon. L'écoute active et la création de cet espace contenant concourt à créer un cadre sécurisant qui est travaillé et partagé avec les intervenants. Par exemple, avant chaque atelier, le cadre va être posé du respect de la parole et du non-jugement. Mais aussi, durant les ateliers, les intervenants se positionnent comme partageant des outils, des compétences, mais non pas comme étant un sachant, afin que les familles puissent se réadapter, s'approprier des outils proposés. Sur l'année 2020, on a mis en place presque 320 ateliers. Et ces ateliers sont animés par des professionnels des PEP, par Carline, par Blandine, notre collègue, par Isabelle aussi, mais aussi par des intervenants extérieurs. Et en fait, chaque année, on met en place un appel à partenariat et des intervenants professionnels du soutien à la parentalité qui peuvent être indépendants, mais qui peuvent aussi être une association ou une institution, répondent à cet appel à partenariat. Et ensuite, nous avons une commission de sélection des différents partenaires avec lesquels on souhaite travailler sur l'année suivante. On se place vraiment en facilitateur de l'accès à l'espace famille. Et je pense que c'est ça aussi, c'est comment on permet au plus grand nombre de familles possibles d'avoir accès à cet espace. Voilà. Qu'est-ce qu'on met en place pour que ces familles aient un meilleur accès en termes d'information, de lisibilité de l'information, de cet accès à l'information, mais aussi d'aller vers ces familles. On a un gros travail autour de la communication. Avant la période Covid, on imprimait autour de 3000 programmes mensuels qu'on envoyait à toutes les structures autour de la petite enfance, les centres sociaux, voilà, qui pouvaient relayer l'info auprès des familles. On continue à le faire, mais en dématérialisé.
Souvent, les familles viennent seules parce qu'elles ont eu l'info ou parce que quelqu'un leur a transmis l'info, mais il peut arriver qu'on mette en place des partenariats. Par exemple, là, on met en place un partenariat avec la RSL, donc qui accompagne les familles en situation de migration. On met en place un partenariat avec les classes de préscolarisation des quartiers prioritaires de la ville de Limoges. Il y a 8 classes qui accueillent les enfants de 2 ans. Et en fait, dans ce cadre-là, il est prévu que les familles viennent une demi-journée par semaine à l'école pour partager un temps parent-enfant au sein de l'école. Et en fait, avec les enseignants, depuis 2016, l'année dernière, on avait fait 3 ateliers et ça permettait vraiment aux parents de découvrir le lieu, de découvrir la maîtresse sous un autre angle, pour la maîtresse de découvrir la famille aussi hors contexte école, ce qui peut faire vraiment changer la donne. Et on a vu des parents revenir soit sur des ateliers, soit sur le lieu d'accueil. Cette situation sanitaire nous a demandé de nous réinventer, de nous adapter. Et nous avons très rapidement, à partir de début à mi-avril, proposé des ateliers en visio. Et ces ateliers en visio, ils perdurent encore aujourd'hui pour certains publics, et on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait favoriser l'accès de certaines familles. C'est plus facile sur un atelier en visio à 18h de se brancher sur son ordinateur plutôt que de trouver quelqu'un pour garder ses enfants, se déplacer vers Limoges. Donc on a des ateliers, des groupes de parents qui ont souhaité poursuivre les ateliers en visio. Cet espace famille, il a été créé en 2016 par la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Vienne. Et l'idée, c'était d'avoir un espace traitant de la parentalité sur le département comme vitrine de ce qui pouvait se faire et pour ensuite avoir des porteurs de projets ailleurs sur le département. Donc l'objectif de cet espace famille, c'est bien d'accueillir toutes les familles du département de la Haute-Vienne. Et donc on a mis en place des ateliers qu'on a baptisés les ateliers près de chez vous. Donc on travaille avec des territoires ruraux, mais aussi avec des territoires prioritaires de la ville de Limoges, parce que quand on habite un QPV à Limoges, il faut changer de bus plusieurs fois pour arriver jusqu'à notre espace famille qui est en centre-ville. Le schéma départemental a identifié des zones blanches où il y avait peu ou pas d'action de soutien à la parentalité. Et donc, nous, on va rencontrer les élus, les acteurs de ce territoire, parce qu'il y a forcément des choses sur l'enfance, la jeunesse. On vient échanger avec eux, faire des propositions d'action qui se placent en complémentarité de ce qui se fait déjà. On vient prendre la place de personne, mais il y a de la place pour tout le monde. Et on propose des ateliers. Donc, c'est l'espace famille décentralisé sur les territoires. On a une conseillère thématique parentalité, donc une personne à temps plein pour accompagner les structures de soutien à la parentalité. On a aussi un schéma départemental des services aux familles qui vit vraiment. Voilà, il a été écrit et élaboré en 2017. Mais il n'est pas au fond d'un placard, c'est-à-dire qu'il est piloté par la CAF, par le conseil départemental et par le conseil départemental. Et il est décliné en groupe de travail. Et donc, sur des actions particulières. Et il y a un groupe de travail qui traite du soutien à la parentalité sur le département. Là, dans le décret suite à la loi ASAP, de simplification de l'action publique, on est quand même sur ces modalités-là de travaux en collaboration avec les acteurs de terrain. Et c'est très riche, vraiment, c'est très intéressant. Un axe stratégique et politique de l'association que de vouloir intégrer à son pôle petite enfance, qui a été créé pour la gestion d'accueil, de mode d'accueil du jeune enfant, de pouvoir intégrer des services de soutien à la parentalité, puisque c'était puisque le soutien à la parentalité, c'est le fil rouge de tous nos établissements qu'on accueille des enfants en situation de handicap, des adultes en situation de handicap qui, même s'ils sont adultes,
ont des parents ou peuvent être parents, qu'on soit sur des établissements de protection de l'enfance, sur chacun de nos presque 20 établissements des PEP 87, on traite du soutien à la parentalité. Alors, nous sommes Adeline Cicero, je suis coordonnatrice parentalité pour l'association des PEP Le Reste et je suis en charge de l'accueil famille qui est l'espace de vie sociale situé à Borny. Voilà. Donc, alors, je présente ma collègue. Je suis Agui Mouya, médiatrice de l'accueil famille qui se trouve à Borny. Médiatrice sociale qui fait un grand, grand travail auprès des familles. Alors aujourd'hui, on nous avait demandé notre témoignage sur le sujet de la participation des officiels qui viennent avec tout un cortège de journalistes, d'assistantes, enfin voilà. Et dans ce cas-là, il y a un double sentiment des habitants et ils nous en font part. C'est bon, quelque part, ils se sentent un peu valorisés parce qu'on parle d'eux. Mais d'un autre côté, ils se sentent vraiment utilisés parce que dans ce genre de situation, c'est un officiel qu'ils ne connaissent pas ou ils l'ont vu de loin, mais ils n'ont pas l'occasion de lui parler. C'est arrivé que la personne s'adresse à nous, mais pas directement aux personnes. C'est un peu gênant. Et il y a la présence de la presse, c'est organisé en urgence, on est obligé d'appeler les familles en vitesse pour qu'elles viennent se faire filmer. Il y a quand même plus respectueux comme façon de faire. Et du coup, les gens se sentent peu considérés finalement dans ce qu'ils sont. Oui. Surtout prendre des images des personnes sans parfois leur consentement, même si ce sont des images floutées par la suite, n'empêche que les gens se reconnaissent dans le quartier et c'est parfois assez gênant. C'est une question de relation de confiance et de respect finalement. Oui. La manipulation aussi peut venir du fait de leur poser des questions, mais des questions dirigées. Oui, parfois. Et parfois, ça aussi, les personnes pensent donner une question correcte, une réponse, pardon, correcte, une façon de se faire valoriser. Mais parfois, on sent bien que dans les réponses, les personnes sont manipulées. Et nous, en tant que professionnels, ça peut nous mettre mal à l'aise vis-à-vis de notre public. Parce qu'il faut souligner que, effectivement, les officiels, ils viennent, mais ils repartent. Nous, on vit avec les personnes au quotidien. Et pour que ces personnes, on a dû faire un travail énorme pour que ces personnes aient confiance en nous. Et lorsque ces genres de choses se produisent, la confiance peut vite, vite, vite dégringoler. Et maintenant, c'est un autre travail de terrain qu'il faut réapprendre, il faut instaurer une autre forme de confiance. Et je vous assure que ça peut prendre du temps. Et n'oubliez pas que les quartiers, c'est un petit village, tout se sait, tout se dit et tout se voit. Donc attention à ce qu'on fait sur le terrain. Oui, j'ai envie de dire, c'est qu'on on vit quand même dans une société assez individualiste et finalement, le fait de participer à la construction d'un projet commun, à la construction de l'EVS, à la mise en place d'action, c'est passé à du collectif. Mais le collectif, ça se construit. Et ça se construit pas lorsque les gens ont l'impression d'être des faire-valoir d'une association ou d'une politique. Voilà. Après, il me reste une question, je sais pas si c'est le lieu pour la poser. Enfin, tu voulais peut-être encore dire, excuse-moi Maggie. C'est quand même quelque chose qui m'interpelle. On parle beaucoup de participation des habitants et c'est pas nouveau, ça date quand même d'il y a quelques années, de longues années maintenant. Et j'aimerais savoir comment on peut parler d'une réelle participation si les objectifs sont déjà définis par les pouvoirs publics dans le cadre des projets. À quel moment vraiment les gens peuvent participer ? Sont-ils pris en compte ? Enfin, c'est pas une question nouvelle, mais
je pense qu'elle mérite quand même qu'on s'interroge là-dessus. Ouais.